Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa et très heureuse de vous retrouver dans ce hall Dries&Stoffen. Ça fait pas très longtemps que j'avais passé commande, mais sur les deux dernières commandes, j'avais eu des problèmes de métrage. Il me manquait à chaque fois des centimètres, de 2 à 8 centimètres. Et ça se ressent, les 2 à 8 centimètres, si c'est sur les manches, vous aurez des manches trop courtes. Donc, il est arrivé un moment, voilà, j'étais un petit peu embêtée. Là, il me restait un bon d'achat à utiliser. J'ai dit, je l'utilise maintenant. S'il y a encore une autre erreur, j'arrêterai de Dries&Stoffen. Ce n'est pas le cas. Ils se sont trompés, par contre, sur un tissu. Après, c'est vrai que je passe des grosses commandes. Est-ce que c'est parce que, en attendant, ce n'était pas le bon tissu? Chut. Donc, du coup, voilà. Je ne vous dirai pas les noms, les références des tissus parce que je ne les sais pas. Je peux vous dire les matières et c'est déjà c'est déjà bien. Les prix, à peu près, si je m'en rappelle, mais ils étaient tous façon soldés. Hein. Il n'y a pas de truc que j'ai pris qui n'était pas soldé. J'ai pris par catégorie, en fait. Vous allez entendre mon chien, mon petit. Mon petit est là. Il essaye de faire quelques bêtises, mais c'est normal. Ça fait partie de l'âge, donc on accepte et c'est pas grave. Ce que je vais faire... pourquoi est-ce que j'ai repassé commande? Déjà pour utiliser mon bon et surtout c'est fait pour attaquer cet hiver et certaines combis du dodo. J'utilise de la matière du wellness, je crois qu'ils appellent ça. C'est un polaire imprimé qui est un petit peu fin. Il n'est pas si fin que ça. C'est un polaire imprimé pour les enfants qui est très intéressant. Et là il était soldé à 4,95 € il me semble au lieu de 5. Ailleurs, on le trouve entre 8, 10, 12, je l'ai même vu à 17 €. C'est les mêmes imprimés. Est-ce que c'est de la même qualité? Je ne garantis pas. Donc ceux-là, je vais vous les faire voir. Il faut absolument que je tourne la vidéo parce qu'il faut que j'en lave parce qu'il pue. Et quand je vous dis que le tissu pue, c'est compliqué parce que la cuisine est en train de sentir le tissu et franchement, il sent vraiment pas bon. Donc voilà, c'est pas tout le temps, c'est déjà arrivé, mais là, c'est vraiment abusé par contre l'odeur. Donc j'ai pris des coupons de 1 mètre. Le premier, c'est celui-là. Avec les robots, très sympa, c'est une matière qu'on use ici, pour le petit surtout. Le deuxième, c'est celui-là, donc je vais aller vite, hein. C'est tout de la même matière. J'ai pris tout ce qui faisait mixte au mieux, garçon, mais mixte au pire, quoi, voilà, plutôt. Celui-là, à mon avis, ça sera l'un de ses préférés, l'un des derniers que je vais coudre. Parce que je trouve qu'il fait plus grand. Au début, je vais faire ceux qui sont le plus bébés. Et après, voilà, comme celui-là, typiquement, ça fait très très bébé. Ceux-là, c'est les premiers que je vais coudre. Hein. Clairement. J'en avais déjà. Parce qu'ils en avaient aussi en rupture. J'en avais déjà, que j'ai déjà cousu en combi du dodo. Et par rapport au Apple Fleece auquel j'ai fait, cette matière-là n'étant pas du tout extensible et vachement plus épaisse, faut coudre une taille en plus pour avoir la même taille qu'en apilflis. Parce que le tissu est vachement plus épais. Ça, c'est pareil, ça sera l'un des derniers que je vais coudre, hein, ce qui fait vraiment garçon. Il fait vraiment plus grand, il fait moins bébé. Ah, très sympa. Hein. Très neutre. Bon, bah, du coup, ma malle sera déjà pleine. Les planètes. Voilà, c'est mignon, hein, c'est mignon, c'est mignon. Il n'y en avait qu'un seul que je trouvais qui faisait un peu fille, mais et encore, je l'ai passé, ça veut dire qu'il ne m'a même pas perturbé. Non, il ne m'a même pas... C'est peut-être lui? Ouais, c'est peut-être plus lui, mais encore. Là, je croyais qu'il avait beaucoup de roses. Et encore. Il fait plus mixte, hein, quand même. Je les trouve très sympas, très enfantins, c'est parfait. Ma malle est pleine, tout va bien. Donc ça, c'est vraiment les premières choses d'obligation que je voulais vraiment pour mon petit parce que je ne sais pas m'en passer et à ce prix-là encore moins. Ensuite, ce que j'ai pris pour mon petit, on va d'abord faire par catégorie, lui d'abord et moi après. J'ai pris les séries de Denim qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je ne m'appelle plus du prix. Ça, c'était pas soldé par contre, mais bon. C'est du Denim. Très fin. En fait, si vous faites un pantalon là-dedans, ça va être, je pense, un petit peu trop fin. C'est aussi fin que pas de la popeline, mais pas loin. C'est pas du tout élastique. C'est vraiment du denim très... Alors, il est élastiqué, si. Dans le sens de la laise, vous voyez. Mais pas dans ce sens-là.
Et en fait, moi là-dedans, je vise les shorts et des petites vestes en jean assorties. Donc j'ai pris un mètre, il me semble que c'était à 4 euros, non? 4 ou 5 euros, je ne me rappelle plus. Il me semble que c'était 4 euros. Sauf si je vous dis des bêtises, allez voir. Chaque modèle, ils ont deux couleurs. Si j'entends pas mon petit, c'est qu'il est en train de m'en faire une. Il va aller dans le bac à sable, le sable est mouillé. Ça va sentir la douche. Le crocodile qui fait quand même assez enfantin, mais je me dis ça passe encore, même pour l'année prochaine, l'année d'après, ça passe encore. Les dragons, ça va encore passer un petit moment. Très beau, j'aime beaucoup. Donc on avait vu le tigre, les crocodiles, les dragons. Il manque, vous allez vite voir la maman un petit peu toquée. Les chevaux. Au début, j'ai hésité, je me suis dit, ah, ça fait fille, mais en fait, on a tendance à associer les chevaux aux licornes, alors que non, non, c'est vraiment mixte. Hein. En le voyant, je ne me dis pas, ça fait fille. C'est vrai qu'on a plus tendance à féminiser les chevaux. Moi qui féminise, enfin, qui catégorise assez facilement, là, qui genre assez facilement, là, non. Encore les dragons, mais dans un denim un petit peu plus foncé, pour vous faire voir la différence. Voyez? J'en avais un plus clair, un plus foncé. Et ben j'ai pris les deux. Voilà. Je me dis, si j'en fais un pour l'année prochaine et un pour l'année d'après, que ça ne soit pas exactement le même, c'est cool. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et le crocodile que j'ai pris aussi en double. Voilà. C'est des coupons de Hamed, donc je peux faire plein de choses. On verra qu'est-ce que je vais faire. Je vise la chemise. Ouais, la chemise. Avec le short, un petit ensemble, soit la chemise sans manches, soit. Je ne sais pas. J'ai plein de petites idées parce que je trouve ça très très beau et pas vu dans le commerce. Donc, ça, c'est tout ce qu'il y aura pour Emilien, mon petit garçon. Et après, on va passer pour moi. Pour moi, je me suis pris du viscose lin à 3,95 du mètre. Il faut savoir qu'ils y sont tous. Le métrage y est tous. J'ai toujours eu un petit peu plus. Donc, c'est cool. Lui, au début, je le trouvais assez raide, mais je pense parce qu'il était écrabouillé. Je le trouve très beau, très sympa, il passe très très bien. J'ai pris du jersey piqué. Il tire sur le rose. Alors, ils disent beige, mais c'est un beige qui tire sur le rose qui est très très beau, qui me va très très bien. J'aime beaucoup, je vois très bien une veste, vous savez, qui ne se boutonne pas devant, un peu asymétrique. Je vois très très bien ça là-dedans. Alors ils disent beige, mais non. Non, non, c'est un beige qui tire vraiment sur le rosé, sur le vieux rose. Le bordeaux, il était en trois couleurs. Il y avait aussi en corail, mais en corail, il n'y était plus. En bordeaux, c'est un bordeaux très, très foncé. Hein. C'est un très joli bordeaux. Très, très joli bordeaux. C'est un bordeaux rouge qui tire vraiment sur le foncé. Là, vous l'avez vraiment beaucoup plus clair. Je ne saurais même pas comment vous le rendre. Il est lit de vin très foncé. Ouais, c'est plus ça. Lit de vin très foncé. Je le trouve magnifique. Et par contre, ces deux-là, on va en parler 2 minutes. C'est du velvet digital. Celui qui est soldé, il y a le 1 et le 2. Et après, vous avez les nouveaux qui sont arrivés sur cette année. Vous avez le premier. Ça, je crois, c'est le numéro 2. Qui est comme ça, qui a des fleurs qui brillent, qui glissent. Mais qui est plus rigide. En fait, ce n'est pas les mêmes matières que les nouveaux qui sont sortis. Ce n'est pas la même texture. L'autre, il est plus élastane et il est plus doux. Lui, il a un côté un peu, je vais dire cartonneux, mais c'est presque ça. Il est moins. Déjà, il glisse vachement plus de là. Et c'est pas la même matière, en fait, dedans. L'autre, c'est vraiment un velours qui s'étire. Là, non, c'est pas les mêmes. Vraiment, ça n'a rien à voir. Si vous êtes amoureux. Canon! Si vous êtes amoureux des vêtements de l'année dernière. Ceux de cette année, ce n'est pas les mêmes. Et le numéro 1 qui était soldé à 3,95, c'est celui-là. Pareil, je peux prévoir de me faire des vestes là-dedans. J'aime beaucoup. Je pense pas qu'on puisse en faire des pulls parce qu'ils dégoulinent. Ils dégoulinent vraiment. Et voilà, ça fait. Il n'y a pas de tenue en fait. C'est rien là. Il a un côté à la fois cartonneux et qui dégouline. C'est difficile à expliquer parce que c'est vraiment un rendu au toucher. On sent ça avec. Qu'on ne sentait pas avec l'autre. Enfin bref. C'est pas les mêmes. Du tout. Du tout. Du tout. Donc moi, je me suis fait avoir. Voilà, je pensais que c'était les mêmes. Pas du tout. J'ai pris celui-là qui est soldé depuis un moment, qu'on voit sur Dresden Stoffen. Il pique. Je vous le dis, il pique.
Moi qui crains pas trop trop ce qui pique, je suis à la limite. Ça, pour moi, ça passe. Mon père, si je lui pose sur le bras, il va vite partir en courant, ce qui va dire que c'est une râpe. Il y en a plus d'un qui ne supporteront pas. C'est pas agréable. Voilà, c'est juste, c'est que c'est pas agréable. Moi, je voulais m'en faire une veste ouverte, asymétrique. Et en fait, sur la peau, ça râpe un peu. Donc, c'est pas. Je ne sais pas qu'est-ce que j'en fais. Ça, c'est l'échec. L'échec de ma commande totale. Ça vaut. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Et le Punta di Roma, blonde en bleu. Il était en gris, en bleu. En. Je ne me rappelle plus. En toute honnêteté, pour moi, c'est pas du Punta di Roma, hein, je vous le dis honnêtement. Voilà, c'est très stretch, hein, je suis ok. Calou, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, quelqu'un qui passe. Allez, gros, viens, dépêche-toi, maison. Allez, 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 dépêche-toi. Et pour moi, c'est pas un Punta di Roma. Pour moi, c'est un je ne sais pas quoi, mais c'est pas ça. Le colis était ouvert, donc voilà, forcément ça flottait. Nous en sommes tous ravis. Alors, ça va partir au lavage. On voit que c'est de la saleté, que c'est pas arraché, le tissu n'est pas abîmé. Et bon, voilà, ça va partir. On voit clairement, hein, que c'est pas un défaut, quoi. Ça, pour moi, c'est pas un Punta di Roma, c'est un je ne sais pas quoi, mais c'est pas ça. J'ai jamais vu en fait un Punta di Roma avec cette texture-là. C'est fluide, ça se tient pas. Enfin bref, je sais pas. À côté, j'ai pris le Tweed, je sais pas quoi, celui-là, qui est très très beau. Par contre, celui-là, je pense que je vais en recommander parce qu'en veste, il va se tenir. C'est. Mais alors, qu'est-ce qui pue? C'est l'horreur. L'horreur, l'horreur, l'horreur. Eh bien, c'était un appel frauduleux. Vous avez un nouveau message. Voilà l'arrière, c'est bien blond, c'est épais, ça se tient. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette matière-là. Je suis très contente. Ça, c'est une matière qui se tient, qui peut remplacer en fait le sweat en 10 fois plus joli. Ça, je vais m'en faire une veste. Ça, c'est obligé. Je suis ravie de celui-là. Il faut que j'aille voir. Parce que ça, franchement, j'ai vraiment envie d'en racheter. Hein. C'est vraiment des matières auxquelles voilà, je trouve très élégantes, très qualitatives. Il faudra voir au lavage si ça ne dégorge pas. Parce que ça. Je sais pas, ça pue. Bon, ben, une malle de plaine. Et je vais chercher les viscoses, 100% viscose digitale. J'en ai pris un bon paquet. Parce que comprenez bien. Au cas où. Oh. Faut que je vous raconte. Mon petit, ce qu'il est en train de faire. On a un bac à sable à côté de sa petite maison, sa petite cabane. Et ben, il y a une planche qui a fini par s'enlever, à se dévisser. Et ben, il lève la planche, il tient la planche, il prend sa pelle, il râpe le sable, il la met dans sa brouette et il va la traîner, je ne sais pas où. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est pas grave. Mais il fait ça tellement discrètement, c'est trop marrant là. Au fond, c'est pas grave, hein, moi je pense. Tant qu'il fait pas de grosses bêtises, ça c'est pas une grosse bêtise pour moi. C'est ce tissu-là que c'est pas celui que j'ai commandé. C'est celui-là. Moi je le trouve. Il est joli, hein, c'est pas le sujet, mais c'est pas celui que j'ai commandé. Moi celui que j'ai commandé, il avait plus de fleurs blanches. Il était plus clair en fait. Lui, il tient plus sur le rose-orange. Et l'autre, il tirait plus sur le blanc-orange. Donc voilà, c'est pas tout à fait pareil. Il est beau, c'est pas ce que j'ai commandé. Donc dans tous les cas, j'ai fait une réclamation parce que là, j'étais pas d'accord. Je me suis dit quand même, faut pas abuser. Les 3 dernières commandes, il y a eu un problème. Hein. Les 2 fois d'avant, c'était un problème de métrage. Non, la première fois, c'était un problème de dégorgement. Il y en avait un qui avait dégorgé. J'ai pris celui-là. Très très beau, très 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 beau. J'étais impressionnée par certains, alors pas par tous, mais par certains au niveau qualité d'image. Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça va rendre après lavage. Mais comme celui-là, ça rend rien à la caméra. On ne se rend même pas compte. Ça fait vraiment un effet 3D. C'est mais impressionnant. Là, j'étais vraiment mais bluffée. Celui-là, il est vraiment très très beau. C'est presque une impression 3D.
Il y a du digital où ça fait un peu. Les couleurs ressortent vachement plus vifs. Mais l'impression 3D, ça fait vraiment ça. C'est vraiment mais impressionnant. Celui d'après, c'est celui que j'ai pris. Très beau. J'ai pris des coupons d'un mètre 60. J'ai toujours eu 10 cm de plus. Il y en a que j'ai pris 1 m 70, donc voilà, c'est monté à 1 m 80. Il y en a que j'ai pris 1 m 50, j'en ai pris deux. Et j'ai eu 1 m 56 sur les deux. Celui d'après, c'est celui-là que je trouve magnifique. Mais alors, magnifique. Il est d'une beauté. Je trouve ça très, très beau. L'automne, je vais être trop belle dedans. Quand j'ai vu celui-là, bon, on va pas se mentir, je me suis dit, oh, encore un violet. Le violet, ça ne me va pas des masses. Ça me va pas des masses parce que je suis bronzée en fait et l'hiver je deviens blanche translucide et ben, en fait ça me va très très bien. Coucou, tu fais du vélo? T'as enlevé le sable? C'est dommage. Tu fais un petit tour de vélo et apprends à faire les devoirs? Ça marche. Ouais, mais ça fait partie du travail le vélo hein. Et après les devoirs ça fait partie de ton travail. Non? Tu veux boire un coup? Viens. Alors, oh, j'ai de la vinaigre. Tu bois au gobelet, tu bois pas la... C'est pas toi qui te sers, c'est moi qui te sers. Tiens. Ah oui, t'as plein de sable. Alors, attends. Tiens, chaud. Tiens, tu peux te secouer les mains dehors par contre, dedans c'est pas top. Ouais, secoue-toi les mains dehors. Donc voilà, en fait ce que je vous disais, le violet, c'est pas que ça me va pas, quoique il y a vraiment des couleurs foncées, donc peut-être que là, ça passera mieux. Mais l'hiver, ça me va nettement mieux, parce qu'en fait, je deviens blanche translucide, hein. Clairement ça c'est ma couleur en hiver, vous voyez, il y a beaucoup beaucoup d'écart. Et après... Après, je finis ça, après, chérie. Alors, ensuite, on a celui-là qui, pareil, est mais surprenant de beauté. C'est celui-là. Alors, je vous fais voir forcément à l'envers. Sinon, ça ne serait pas drôle. Regardez-moi la beauté de l'impression. C'est surprenant. Vraiment, c'est mais magnifique. Mais magnifique. Alors, juste un mot. Quand je suis bronzée. Tu fais un petit tour de vélo et j'arrive. D'accord? Tu le fais pas trop vite, hein, ton tour de vélo. Hein. Ensuite, on a celui-là. Hop. Alors lui, par contre, typiquement, moi, je ne m'y vois pas dedans. En fait, quand j'ai commandé, donc je suis quand même allée revérifier si c'était bien ce que j'avais commandé. Oui! Attention, hein! Et ben en fait oui, mais en fait quand j'ai mis le filtre jaune, et ben c'est plus la couleur que moi je me rappelais. Et voilà. Donc ne faites pas comme moi, enlevez vos filtres jaunes parce qu'en fait c'était tard hein, quand j'ai commandé. Et voilà, vous seriez pas surprise. Oh là là. Celui aussi fait partie de ceux auxquels je suis mais ébahie par la beauté du tissu. Vraiment, je le trouve mais magnifique. Alors, tac tac tac. Mais alors, magnifique, voyez. Mais je vous le fais toujours voir à l'envers, c'est pas possible. Je le fais exprès. Je me demande en fait si c'est un endroit à l'envers. Ah, il y a des impressions dans les deux sens. Je le trouve, mais alors... mais beau. Mais lui, c'est franchement, c'est mon préféré. Vraiment. Je le trouve... je sais pas dans quel sens ça va. Je pense que je vais me poser les questions 50 fois quand je vais le couper. Vous voyez cette impression numérique? Et bien ceux-là, c'est les nouveaux, c'est les derniers qui sont sortis. Les avant-derniers, c'est ceux-là. Et c'est pas du tout pareil. Hein. L'impression n'est pas du tout la même. Hein. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Ceux-là, ils sont vraiment mais très 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 beaux. Pareil, au niveau du toucher, c'est équivalent hein, par contre. Hein. Il n'y a pas de moins bien, de meilleur, tout ça. J'ai pris celui-là. Moi, c'est voilà. J'aime beaucoup. Je sais que beaucoup ne vont pas aimer. Moi, j'adore. Je trouve ça très, très beau. C'est des couleurs qui montent très bien. Surtout des couleurs automnales. Je trouve ça magnifique. Donc, clairement. Dans les mêmes états d'esprit, il y avait celui-là. Donc, forcément, je l'ai pris. Il y en avait d'autres, hein, d'autres couleurs. Mais bon, j'ai essayé de prendre une catégorie, une couleur.
de ne pas avoir deux fois le même modèle, simplement les couleurs qui changent. Avec tout le choix qu'il y a, ça serait été bien dommage. J'ai pris celui-là parce que j'ai le velours, qui est le nouveau velours qui est sorti il y a quelques mois. Dans les mêmes... c'est les mêmes feuilles en fait, c'est le même design. Mais du coup, je me suis dit, mettre en dessous un truc raccord, ça peut être super joli. C'est pas les mêmes tons. Hein. Mais du coup, voilà, je me suis dit, l'autre, c'est un pétrole, en fait. Donc ça, c'est bien plus clair. Mais vu que c'est les mêmes feuilles, ça fera un super, super joli. Très, très contente. J'arrive, il m'en reste plus que 4. T'as fait mal? Ouais. Tu veux un verre? Ouvrir. Ouvrir quoi? Ouvrir la porte. Du portail? Ah bah non, il y a la route. Où? Ah mais non, je comprends pas. Mais revoilà. Bon, on est presque à la fin. Mon petit commence à être un peu impatient. Donc on va passer la troisième. Le avant-dernier, c'est celui-là qui est très automnal, qui est de toute beauté. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il m'ira très bien. C'est les couleurs, clairement. Il est magnifique, j'aime beaucoup ce côté avec ce bleu là qui donne une profondeur qui est très très beau. Mon préféré double, c'est celui-là. Il est mais renversant, j'adore, magnifique. Il est magnifique. Vous voyez ce côté impression digitale, super beau. Ce que je me méfierais moi par contre, c'est que je pense qu'il est un petit chou transparent tout de même. Oui, voilà, c'est confirmé. Il a un petit chou transparent. Donc, voilà. À mettre avec une lingerie chère, couleur chère. Et voilà. Les autres sont plutôt jolis, mais ce n'est pas mes préférés. Je les trouve très, très beaux. Hein. C'est des couleurs qui me vont très, très bien. Celui-là. Vous voyez, c'est des couleurs... ça me va très, très bien. C'est des couleurs pour le kaki, de toute façon. Ça va un peu à tout le monde, le kaki. Hein. Super beau. Et le dernier, de chez Dernier, c'est celui-là. Voilà. L'arrière-saison, je serai toute mignonne dedans. C'est vraiment une classique. Sur le coup, j'ai cru que c'était celui-là, le numéro 1. Celui auquel ils sont trompés, et ben même pas. Ça, c'est le 216. Celui-là, je peux vous dire le numéro. Ça, c'est le 216. Et digital 1, il lui ressemble un peu. Simplement, il tire plus sur le blanc. Voilà le haul de Dressenstoffen. Donc vous voyez, je suis passée un petit peu vite parce qu'il n'y avait pas grand chose de plus à dire. C'est beaucoup les mêmes références, les mêmes matières en fait que j'ai commandées. Donc ça va vite, c'est simplement au niveau des designs qui changent selon mes choix et mes goûts. Et on va passer au devoir. Ouais. Et je vous laisse, je m'occupe de mon petit. Ouais, on va se laver les mains. Bah vas-y, monte. Et je vous dis à la prochaine en espérant que ça vous ait plu. À très bientôt. Ciao.